Wesh l'équipe, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, voilà, on continue la série. Vous savez, je traîne pour poster les vidéos, mais là, on est de retour, donc je vais passer tout ça. Allez, on va jouer contre le Feyenoord. Un premier match de la Champions League, donc on doit frapper fort, les gars. La proposition a été éliminée en finale. De jeu, ça m'a fait mal. On doit tout rafler avec le PSG cette saison. Allez, c'est parti. Et le match est terminé, les gars. Franchement, c'était un match pourri. Je vais même pas montrer des trucs. C'est pas mon équipe aujourd'hui, ils ont fait du n'importe quoi, personne n'était en forme, j'ai essayé, j'ai tenté. Voilà, j'ai tenté des choses, mais ça n'allait pas. Et je viens de voir que Neymar est toujours au club. Allez, c'est parti pour le match face à Valenciennes. Ligue 1, je sais pas c'est quelle journée. Je crois qu'on avait déjà joué certains matchs, je me rappelle pas, ça faisait longtemps qu'on n'a pas joué. Et on prend un but. Et franchement, je sens pas. Voilà, faudra que je redemande au coach de me remettre au milieu. Parce que franchement, ça va pas. Regardez. On prend un but. Et ça, c'est pour Mbappé. Et voilà. Passe décisive. Et on prend un deuxième but, les gars. On prend un deuxième but. Aaron Zinga qui fait un doublé. Franchement, un super coup franc. Voilà, je crois qu'il me disait que ça sera un petit match. Et non. Et en plus, on est à domicile. Donc, ça va pas être facile. Alors là... Et le but, l'égalisation, les gars. Donc voilà, j'égalise. Je la sentais que j'allais être libre à un moment et pouvoir égaliser. Voilà. En Ligue 1, ça va très bien. Attends, on va revoir un peu ce but. Je lui passe dès qu'il tiquait. Là, j'avais tout le temps de la placer. Allez, un tout nouveau joueur, Diego. Je crois le match est terminé, les gars. 2 buts à 2. Alors là, je sais pas si je suis milieu offensif. Et oui, on m'a ramené milieu offensif et Kitike, Neymar. Toujours dans le club. C'est plutôt Messi qui avait quitté. Neymar, il est toujours là. Alors. Voilà. Le milieu, en tout cas, ça sera le mien. Et voilà. Un autre but. C'est exactement pour ça que ses coéquipiers comptent autant sur lui. Ils savent qu'il peut faire la différence à tout. Un autre but, les gars. Et franchement, c'est chaud. C'est chaud, j'allais demander la balle, j'ai laissé Neymar d'abord tirer et la chance que le ballon est revenu vers moi, je n'ai même pas mis autant de force, regardez. Neymar qui a tiré et le ballon est là, franchement là c'était, j'ai attendu juste qu'elle rebondisse et je l'ai mis au fond. Franchement, on fait une saison de malade les gars en Ligue 1, ça sera nous le patron de cette équipe cette fois-ci. Parce que la première saison, vous savez que souvent on doit s'adapter. Et après, maintenant, on va confirmer la deuxième saison. Cette saison. Et en plus, la saison passée, on avait très bien joué. On était arrivé en finale de Champions League avec un match
contre l'AS Roma, un match que j'oublierai jamais. Attention, et voilà, on prend un but. J'ai parlé un peu trop vite. En tout cas, l'équipe, ça va pas. Personnellement, ça va, mais l'équipe, ça va pas. Alors que la saison passée, c'était Itono qui n'allait pas bien, mais l'équipe allait bien. Alors. Le ballon dans la surface. Et le corner. Peu d'oxygène pour sa défense. Dommage, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. À moins qu'on ait le temps pour une dernière occasion. Allez, Kitike. Et oui. Incroyable but du Paris Saint-Germain. Voilà, dernière minute. On gagne le match. Ça, c'était une super passe de voilà, Mbappé. Voilà, quand je vous ai dit, quand je suis au milieu, bon, tout va bien, tout va bien. En tout cas, je distribue les ballons et mieux. On gagne, voilà. Je pense que ça va cette saison, ça va. On gagne au moins un match, on marque au moins un but. Un match. Alors, je me rappelle qu'il y avait un abonné qui m'avait demandé de changer. Il y avait un abonné qui m'a demandé de changer la couleur de mes cheveux. Je sais pas c'est qui. Attendez, je regarde les commentaires là. Alors, on m'avait demandé de mettre une teinture rouge. Est-ce que voilà. Ouh, bleu, bleu, bleu. Allez. Voilà, ça va même bien avec les couleurs de l'équipe. Allez, c'est parti. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je crois que. Oh là 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 là! Je crois que. Il y a un bug avec le stade de. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je vais devoir passer ce match parce que voilà. Il y a un gros bug. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus, on est à domicile. C'était pas à Nantes. Attendez, je vais passer. Voilà, on gagne moi. Allez, on va jouer dernier match face à Barcelone. Je suis désolé. Face à Nantes. Il y a eu un bug. Allez, on va paramètre physique. Allez, les cheveux, je remets la couleur rouge. Alors les gars, on continue la vidéo. Alors je sais pas pourquoi avant les stades ne montraient pas. J'ai dû refaire le truc. J'ai dû recharger le jeu et ça marche cette fois-ci. Donc voici le match face au FC Barcelone. Ça sera le dernier match de la vidéo. On va pas prendre un but là. J'espère que voilà un poteau de la part de FC Barcelone. Je sais pas qui a tiré, je crois que c'est Ansu Fati, j'ai pas vu. Attention là, attention Barcelone qui multiplie les attaques. Voilà, je récupère la balle. Ah là là, mais non, 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 non. Simulation ça. Et c'est pas possible. Voilà, c'était le premier tir cadré là. En tout cas, Barça, ils sont à fond, mais on récupère un peu. Oh là là! Alors là, c'est Kitike qui rate complètement.
Franchement, je regarde vos commentaires et j'avais vu qu'il y a plein de gens qui sont en train de dire que voilà, cette caméra, beaucoup de gens n'aiment pas la caméra. En fait, je crois que c'est parce que la plupart veulent voir tout le terrain. Mais non, moi, je trouve que je joue mieux sur cette caméra depuis un moment parce que voilà, je vois tout sur le terrain, c'est plus facile quand on s'habitue surtout. Et je trouve que je marque bien plus de buts qu'avant. Peut-être pas. Attention, là c'est Mbappé qui va marquer peut-être. Et finalement, voilà. Mais en tout cas, on a galéré les gars. Ce but n'est pas un cadeau. Yes. En tout cas, là c'est une très mauvaise passe. Défenseur de Barcelone qui a passé. Alors bientôt, il y aura le FC, comment? Alors je suis sorti. Ah oui, franchement, j'ai fait de la merde. Et je ne sais pas qui est entré. Voilà. Et voilà, on gagne. Mais en tout cas, je galérais. Franchement, à me retrouver sur le terrain parce que Barcelone, franchement, aujourd'hui, leur formation était au top. Donc, on va terminer cette vidéo voilà, à la fin de ce match. Et puis, on continuera à la prochaine vidéo. Alors, c'est pour vous dire aussi que je commencerai à poster très, très souvent cette fois-ci. J'ai maintenant assez de temps. Donc, je posterai au moins 3 fois par semaine ou 4 fois. Voilà. Pour les gens qui attendent trop mes vidéos et ne voient pas, je sais que ça peut vous énerver. Je vais être plus régulier cette fois-ci. Je vais d'abord essayer 3 fois par semaine. Ensuite, on verra si je pourrais faire chaque jour ou bien 5 jours de la semaine. Ça serait bien. Voilà, on est premier du groupe. Et donc, voilà, la vidéo se termine par ici. J'espère que j'ai tout filmé. Hein. Parce que je me rappelle une fois, j'avais une vidéo, j'avais rien filmé. Et donc voilà. Donc victoire à l'arraché, comme les infos le disent. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez surtout jamais de laisser un like. Parce que ça aide au référencement pour YouTube. Sinon, vous ne pouvez rien faire, hein, je ne vous oblige rien. Merci et à bientôt.